I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. Bon les potes, qu'on dise la vérité. Avant de commencer la vidéo, je vous montre directement à quoi ressemblent les ailes. Oui les potes, elles sont incroyables. Donc si toi aussi tu veux débloquer les ailes néons sur Fortnite gratuitement, regarde la vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et like cette vidéo. Je compte sur toi pour jouer le jeu et mettre ton pouce bleu. Honnêtement les potes, elles sont incroyables. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir les obtenir. Franchement, je compte sur toi pour mettre ton like. Yo la Timburger les potes, c'est Power, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez aperçu au titre et à la miniature de cette vidéo, je vais vous expliquer du coup comment débloquer les ailes néons gratuitement sur votre compte Fortnite les potes. C'est un item qui a été donné gratuitement suite à un événement. Du coup regardez bien, la vidéo sera très courte pour vous expliquer comment la débloquer. Et je vous conseille de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour savoir comment obtenir ce sac à dos totalement gratuitement et la partager à vos amis pour que eux aussi débloquent le sac à dos le plus rapidement possible. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier les derniers abonnés qui ont rejoint la chaîne YouTube. Donc tout simplement, pour vous abonner, vous appuyez sur le bouton rouge et vous activez la cloche des notifications. À l'écran, tout simplement, il y a les derniers abonnés qui se sont abonnés à la chaîne. Donc un grand merci à eux, voilà, ça fait plaisir. Ils se sont abonnés récemment à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire comme eux pour passer dans la vidéo de demain avec un peu de chance. En plus de ça, on rush les 318 000 abonnés. Il manque quelques abonnés, 2-3 abonnés. Donc si tu viens de me découvrir, abonnez-vous bien à ma chaîne pour atteindre cet objectif, ça me ferait plaisir. Et du coup, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir dans la boutique avec le code créateur PowerJumper tout en majuscule attaché. Ça fait plaisir. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Ça vous donne un max de chance pour trouver des lamas dans vos games Fortnite. Je remercie chaque personne qui met le code créateur dans leur boutique tout en majuscule attaché. Les potes, vous me soutenez officiellement. Et de temps en temps, j'offre des petits cadeaux en live aux abonnés qui ont mis le code créateur. Donc merci à ceux qui me soutiennent. Donc du coup, vous l'avez vu au titre et la miniature de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment débloquer ce sac à dos qui est tout simplement le sac à dos des ailes néons. Il est super stylé et c'est un sac à dos qui est en thème avec le Major Lazer. Donc tout simplement, les skins Major Lazer sont de retour dans la boutique d'aujourd'hui. Ils sont arrivés dans la boutique à 2h du matin dans la nouvelle boutique. Donc ça fait plaisir. Et du coup, tout simplement, Fortnite ont fait un événement à 3h du matin. À l'heure où sort cette vidéo, c'était bel et bien aujourd'hui l'événement qu'il a eu lieu. C'était tout simplement au début de la journée à 3h du matin, comme je l'ai déjà dit. Donc c'était vraiment très très tôt les potes. Soit tu étais réveillé, soit tu étais endormi. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si tu as assisté oui ou non à cet événement. Je vous diffuse à l'écran à quoi ressemblait l'événement. Il était vraiment pas ouf du tout les potes. Croyez-moi, vous n'avez rien loupé. Il n'y avait pas des trucs de ouf. C'était juste un écran et avec beaucoup de musique. Il y avait plein de musique Major Lazer, etc. L'événement, pour ceux qui ne savent pas dans quel mode de jeu il s'est passé dans le nouveau mode de jeu qui est le mode de jeu Fête Royale. Et du coup, ce mode de jeu qui se nomme Fête Royale, les potes, c'est quoi? C'est un événement où dès que tu étais connecté à 3h du matin, tu as pu assister à un mini concert. Donc c'était pas un truc de ouf, c'était pas du niveau de Travis Scott, croyez-moi, vous n'avez rien loupé. C'était un écran, voilà, comme vous voyez à l'image, avec simplement quelqu'un qui faisait de la musique, avec quelques danses, etc. C'était assez fun, c'était assez tranquille. Voilà, il était 3h du matin. Fortnite ont fait vraiment un truc assez cool pour la communauté. Et du coup, vous l'avez compris, chaque personne qui a visionné cet événement à 3h du matin, Fortnite les remercie en leur offrant un sac à dos. Et ce sac à dos, vous l'avez compris, c'est le sac à dos El Néon. Alors ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a plein qui dormaient, plein de personnes qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un événement à 3h du matin, car Epic Games ne l'ont pas assez teasé, etc. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'était tout simplement un test de la part d'Epic Games. En gros, cet événement à 3h du matin, c'était un espèce de test pour vérifier si tout fonctionnait bien, si la communauté était réactive, etc. Et ça a bel et bien fonctionné. Donc les premières personnes qui l'ont visionné en avance comme moi à 3h du matin, qui étaient présents lors de l'avant-première entre guillemets, on a pu déjà débloquer le sac à dos El Néon. N'hésitez pas à le noter dans l'espace commentaire, honnêtement il est vraiment stylé. Il y a plein de personnes qui ne les ont pas reçus, il y a plein de joueurs qui ont été présents à l'événement et qui ne les ont toujours pas reçus. Je suis un des premiers à l'avoir reçu car j'ai eu de la chance. Pourquoi j'ai eu de la chance? Car Epic Games les distribue vraiment à des joueurs, mais au fur et à mesure, en gros il y a des vagues de distribution. Moi j'étais dans la première vague de distribution. Par exemple, dans 2 heures il y aura d'autres personnes qui l'auront sur leur compte Fortnite, etc. Et il y a des personnes qui ont assisté à l'avant-première et qui l'auront peut-être que dans plusieurs heures après, par exemple 5-6 heures après. Donc faut être patient les potes. Si vous avez visionné déjà l'avant-première à 3h du matin comme moi, faut être vraiment patient pour débloquer. Et pour toutes les autres personnes qui dormaient à ce moment-là et qui n'ont pas pu visionner l'événement à 3h du matin, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir tout simplement débloquer ce sac à dos, car Epic Games ont expliqué qu'il y aurait d'autres moyens de les obtenir dans le mode Fête Royale. Je pense qu'il y aura d'autres événements à peu près dans des heures normales, des heures européennes, à peu près 16h, 17h, 18h. Je vous tiendrai au courant soit en live, soit sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous bien avec la cloche des notifications. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes sûr et certain de pouvoir les avoir, car tout simplement, l'événement Major Lazer, il y en aura d'autres par la suite dans le mode de jeu Fête Royale et vous allez pouvoir obtenir ces ailes gratuitement. En tout cas, n'hésitez pas à les noter sur 20, elles sont vraiment magnifiques. C'était une vidéo assez courte pour vous expliquer comment les obtenir. Elles sont vraiment super belles les potes. Je compte sur vous pour partager la vidéo à vos amis, vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications et le bouton rouge, mettre un gros pouce bleu et le code créateur évidemment dans la boutique d'objets Power Jumper tout en majuscule attaché. Ça fait plaisir, c'était Power. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye les gars.